Hamida Mahrawi, je suis médecin urgentiste, je suis maître de conférence agrégé en médecine d'urgence à la faculté de médecine de Tunis et je suis actuellement le chef de service des urgences La Rabta. Tout enfant, je me suis toujours intéressée à tout ce que pouvaient faire les médecins pour sauver des vies. Et donc c'était une carrière qui m'a semblé quelque chose de très motivant pour réussir dans la vie. Et mon entourage familial m'a toujours aidée pour réussir mes études. Et puis, à un moment donné, quand j'étais à la fac, c'était agréable de voir tous ces professeurs qui venaient nous enseigner. Et de là, s'est installé mon intérêt pour la recherche et pour l'enseignement. Parmi les moments les plus importants dans la carrière de médecin, c'est le passage par le concours du RIS-DANA où la réussite implique un choix de tout ce qu'on fera au cours de sa vie pour les 40 prochaines années. Et c'est un moment à partir duquel j'ai appris tous les jours à me confirmer aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan personnel. Les patientes et les patients qui te regardent en te disant « Aïch benti, aïch wildi » en te prenant pour le tout petit médecin qui passe, mais les gens ont parfois beaucoup de difficultés à croire qu'on est là pour prendre des décisions pour leur vie. Et moi qui dirige toute cette équipe-là, à qui tout le monde revient pour prendre des décisions. Ça, c'est assez récurrent et assez sympathique. Je suis optimiste et j'adore les challenges.